La maladie cruelle a mis fin à la vie et à la carrière de Jean-François Garot. Jean-François Garot était un acteur français talentueux, mais sa vie a été marquée par de nombreuses tragédies. Finalement, une maladie grave a mis un terme à sa vie et à sa carrière, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le monde du théâtre et du cinéma français. Voici l'histoire de la vie tragique de Jean-François Garot. Jean-François Garot est né en 1946 à Saint-Mandé en France. Fils d'un directeur du bureau de poste, il a grandi dans une famille modeste et a rapidement développé une passion pour l'art dramatique. Il a fréquenté le Conservatoire national d'art dramatique de Paris, où il a étudié sous la direction de professeurs de renom tels que Jean-Laurent Cochet et Antoine Vitez. Pour mieux comprendre la vie de Jean-François Garot, il est important de prendre en compte le contexte initial dans lequel il a grandi et évolué. Dans les années 50 et 60, la France était en train de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. La société française était en pleine évolution avec des changements politiques, sociaux et culturels significatifs. C'est dans ce contexte que Jean-François Garot a grandi et a développé sa passion pour l'art dramatique. Le théâtre et le cinéma étaient des moyens d'expression populaire et puissant qui ont permis à Garot et à d'autres acteurs de l'époque de se connecter avec le public et de transmettre des messages importants. Cependant, la vie de Garot a été marquée par une tragédie personnelle importante, la mort prématurée de son père dans un accident de voiture. Cette perte a eu un impact profond sur Garot et a influencé sur sa vie personnelle et professionnelle tout au long de sa vie. Il a éprouvé des difficultés à accepter la mort de son père et a souvent été aux prises avec des sentiments de colère et de frustration. Ce traumatisme a également eu un impact sur sa relation avec sa mère, qui a également été profondément affectée par la perte de son mari. Au fil des années, Garot a exploré ces thèmes dans son travail d'acteur, cherchant à exprimer les émotions complexes liées à la perte et au deuil. Malgré les défis qu'il a rencontrés, Garot a réussi à surmonter sa douleur personnelle pour devenir un acteur accompli. La vie de Jean-François Garot a été marquée par une lutte contre l'alcoolisme. Il a commencé à boire dans les années 70 alors qu'il était déjà un acteur reconnu en France. Au fil des années, son addiction à l'alcool est devenue de plus en plus grave, affectant sa santé, sa carrière et sa vie personnelle. Cependant, Garot a également travaillé dur pour surmonter son addiction. Il a suivi des programmes de désintoxication et de réadaptation et a reçu le soutien de ses amis et de sa famille. Malgré les défis qu'il a rencontrés, il a continué à travailler en tant qu'acteur, offrant des performances remarquables dans de nombreux films et pièces de théâtre. Malgré sa carrière réussie en tant qu'acteur, Jean-François Garot a également fait face à de nombreuses difficultés professionnelles tout au long de sa vie. L'une de ses plus grandes luttes a été de trouver des rôles qui correspondent à son talent et à sa vision artistique. Garot était connu pour ses performances subtiles et nuancées, mais il a souvent été sous-estimé ou relégué à des rôles secondaires dans des productions cinématographiques et télévisuelles. Il a également eu du mal à trouver des rôles satisfaisants au théâtre où il cherchait des projets qui lui permettraient d'explorer des thèmes profonds et complexes. Cependant, Garot n'a jamais abandonné sa passion pour l'art dramatique et a continué à travailler avec détermination pour trouver des rôles qui lui permettraient de s'exprimer pleinement. Il a également travaillé comme metteur en scène et enseignant, partageant sa passion pour le théâtre avec les nouvelles générations d'acteurs et de cinéastes. Au fil des ans, Garot a été reconnu pour son travail acharné et son talent exceptionnel, recevant plusieurs prix et distinctions pour ses performances. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, il a continué à se battre pour réaliser sa vision artistique, laissant derrière lui un héritage durable dans l'industrie du spectacle français. Malheureusement, la vie de Jean-François Garot a été touchée par la maladie. En 2001, il a été diagnostiqué avec une maladie de Charcot, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique. SLA. Cette maladie neurodégénérative rare affecte les nerfs qui contrôlent les muscles, entraînant une perte progressive de la force musculaire et de la coordination. La SLA a eu un impact profond sur la vie de Garot, l'obligeant à réduire son activité professionnelle et à se concentrer sur son traitement médical. Cependant, il a continué à travailler dans l'industrie du spectacle aussi longtemps que possible, en utilisant son talent et sa voix pour sensibiliser le public à cette maladie dévastatrice. Malgré les défis physiques auxquels il a été confronté en raison de sa maladie, Garot est resté positif et optimiste, en trouvant de la joie dans les moments simples de la vie et en restant reconnaissant pour les amis et la famille qui l'ont soutenu tout au long de sa vie.
Jean-François Garot est malheureusement décédé le 9 juin 2020 à l'âge de 64 ans des suites de sa maladie de Charcot. Sa mort a été un coup dur pour sa famille, ses amis et ses nombreux fans à travers le monde. Jean-François Garot a laissé derrière lui un héritage durable dans l'industrie du spectacle français. Si vous aimez le contenu que nous vous proposons, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières vidéos de qualité. L'abonnement à notre chaîne nous permet également de continuer à produire des contenus intéressants et utiles pour vous et pour la communauté. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.